Et on se réunit et tout. Eh bien, c'est parti. Bonjour tout le monde, c'est dimanche de Pirouane ce matin, cette nuit. Donc, j'ai voyagé toute la nuit pour rejoindre notre ami Jean-Bernard Fourtillon. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Gérard. Bonjour à tous les amis. Bonjour, voilà. Bonjour Marilyn. Bonjour Gérard. Et puis bah voilà, donc un petit coucou pour vous faire voir que monsieur Fourtillon va bien. On est à quelle allure? On est à quelle allure Jean-Bernard? Hein? Ah ben, 140, tout va bien. Pour une route à 80, mais il n'y a pas de radar, alors ça va. D'accord. C'est moins dangereux que de perdre la vie que le vaccin, alors il n'y a aucun problème. Ah, alors là, ça sujet... coûte moins cher que le pass sanitaire. 300 mètres, quittez le rond-point à la sixième sortie. Voilà. Alors un petit coucou Jean-Bernard à tout le monde. Voilà. Bonjour. Bonjour à tout le monde bien sûr et puis Jean-Bernard va bien. Sixième sortie. Il va même très bien. Super. Voilà, si vous voulez partager cette petite vidéo pour faire un petit coucou à tout le monde. Salut René, salut Eliane, salut Camille pour les premiers et les premières. Vous pouvez partager, donc on a roulé toute la nuit. Et puis bien la journée commence très très fort bien sûr parce qu'on perd pas de temps, on a beaucoup de gens à voir et puis Jean-Bernard est en train de préparer la journée à la troisième sortie et prendre la rue avenue de Gouello. La journée le rond-point à la troisième sortie. Alors la journée de mercredi bien sûr, donc Jean-Bernard a préparé son arrivée sur Paris bien sûr au on peut dire où. On peut dire où, pardon, Jean-Bernard, est-ce qu'on peut dire pour mercredi ou pas encore? Attends, alors on s'est planté. Tournez ma gueule. On s'est planté parce que on s'est planté parce qu'on a parlé là. Bon bah alors on s'est planté, nous dit-il. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va reprendre. On s'est planté rapidement donc. Tournez légèrement à gauche. Salut tout le monde. J'espère que ça va bien. J'ai un peu la tête nuit blanche, bien évidemment une de plus. Ce qu'il y a, c'est que les panneaux, souvent, ils sont pas indiqués dans le bon sens. Salut tout le monde. Ah, Maud, elle est là. Flo, Dominique. C'est celle-là, là-bas. Je pense que c'est celle-là. La route. Salut tout le monde. Cinquième sortie. Je pense, oui. C'est celle-là qui va répondre. Alors, bien sûr, hein, plus de bracelets pour Jean-Bernard. Ça y est, l'affaire est terminée. Donc nous espérons, comme cela a été convenu, pour le 28 août à Paris, auquel Richard Boutry s'est mis à genoux, bien évidemment. 400 mètres qui pour ne pas point, avoir la lieu sortie, la manifestation et la convergence de toute la France à Paris. Regrettable, bien sûr, Jean-Bernard, faire partie des centaines et des centaines de personnes qui attendaient cet événement, puisqu'il y avait programmé la possibilité sortie, aujourd'hui de réveiller toute la France. Voilà, monsieur Richard Boutry, vous nous avez trahis, c'est très clair, pour tout le monde et toute la France concernant les initiatives citoyennes, la pédocriminalité et la résilience alimentaire. C'est voilà, donc c'est un petit départ, puisque bien évidemment la France va savoir ce que tu as fait, et tu nous as trahis, tu nous as trompé, tu nous as menti, et tu es un manipulateur hors pair. Bien sûr qu'on t'avait repéré. Mais, pas écouté, mais c'était beau. Hein. Mais nous sommes allés jusqu'au 2. C'était bon. C'est rangé, prochain. Là, hein. Voilà. Parce que comme il parlait, ça m'a distrait. Et comme il parle pas, ça veut dire qu'il faut aller tout droit, tu vois. Voilà, donc Jean-Bernard est parfaitement au courant de Boutry, hein, bien évidemment, comme de très nombreux et toute la presse journalistique. Pourquoi? Voilà, Richard, je te l'avais promis, tu t'es trompé avec nous tous. Eh bien, tu vas voir le revers de médaille. Toute la France va savoir, Richard Boutry, qui tu es. Et t'es pas le seul, bien évidemment. Donc, on va sauter ce volume-là. Voilà, donc, un petit coucou avec Jean-Bernard. On vous souhaite à tous un très, très bon dimanche. Le collectif des maires, les initiatives citoyennes. Et en avant toutes, bien sûr, puisque c'est la seule possibilité, à moins qu'il n'y ait pas d'élection, bien sûr. Mais en tous les cas, en avant toutes. Et voilà Jean-Bernard, donc, est bel et bien là, et prêt pour de nouvelles aventures, puisque c'est une personnalité importante pour se mettre à table, afin d'évoquer tout ce qu'il peut avoir dans ses dossiers. Mais pas seulement. Voilà les amis, on vous souhaite un bon dimanche, et à très vite. Un petit coucou, voilà. Salut, bon dimanche, ça baigne. Et à bientôt, et à bientôt. Attends, attends. Là, par là. Je parle. Qui là? Oui, non, j'étais distrait.
Bon, les amis. Oui, mais moi, je connais là maintenant. Voilà, après, tu vas tourner à droite. J'espère que vous allez tous bien. Je vais passer sur le pont. Annick, salut Annick. Ah, Annick, elle est là. Fanny aussi. Tout le monde. Quittez le rond-point à la première. Voilà, bon, bah, on vous souhaite un bon dimanche et puis à très vite, bien sûr, puisque nous avons malheureusement subi lourdes conséquences. Les dommages collatéraux sont énormes. Et bien évidemment, on finira la petite histoire d'une TV qui n'est pas une chaîne de télévision, mais une boîte à arnaque, tout simplement. On va le prouver, bien évidemment, à tout le monde. Et je rejoins certains, comme des Bernard Claudel, informer toute la France de qui est Richard Boutry. Et à très bientôt, Richard. Je t'avais prévenu. Tu vas comprendre. Voilà, garçon. À bientôt, tout le monde. Bon dimanche.